Oh, bonsoir, bonjour, NT Human, nous sommes dans cette vidéo Ah, d'accord. Mais tu peux pas appuyer sur le bouton, s'il te plaît? Ah, ok. Va sur le bouton, s'il te plaît. Copain. Purée, il faut être rapide comme ça. Faut vraiment. Ah d'accord, vous faites des trucs comme ça. Vous faites des trucs comme ça, fourbe étrangie bilule. D'accord, je note, je note. Pour le peu de jeu que vous ayez fait. Ah bah nickel, je suppose. Faut limite partir dans le. Ah mais il y avait un bouton. Ah mais il y a un bouton. Ah non, mais moi je vois un bouton, j'ai envie d'appuyer dessus, forcément. Bon, vous savez quoi, j'abandonne ce truc, je ne sais pas à quoi ça sert, et si ça se trouve, hein, ça sera ça, si j'ai essayé un truc de raté. Bon, moi je passe par là, parce que j'en ai marre, vraiment, de ce machin. Ah non, mais c'était pas possible. Il y a un bouton, on sait même pas à quoi il sert. Ah, si ça se trouve, c'est un emblème, mais bon, j'arrive vraiment pas à appuyer sur ce bouton, quoi. Bon. Jour. Bienvenue dans un des plus beaux temples du monde. Je vois que tu as une torche dans les mains. Tant mieux. Tu dois impérativement conserver ta torche allumée si tu veux progresser dans les dédales de ce magnifique temple. Et ce ne sera pas chose facile. Laissez-moi deviner, il y a de l'eau partout, c'est ça? Comment je dis comment j'ai deviné? Oh, la musique. Oh, la musique. La musique. Mais la musique. Ah non, tu me laisses tranquille. Voilà. Comme ça, c'est bon. On peut aller s'occuper. Ah oui, c'est vrai que eux ils nous font pas mal, mais ils sont juste là pour venir nous déranger. Par contre, il est fixe là, les réflexes. Bon, par contre, limite, là, Astérix, il est censé devoir nager, là, je suppose. Mais enfin, non, il a pied, ça va. C'était un peu violent, quoi, je suppose. D'accord. Bon, les trois quarts des choses qui sont ici ne servent à rien, mis à part le Romain qui a déjà pop là-bas, alors que je me suis juste retourné. Je pense que ça vaut pas le coup d'aller le liquider, je pense. Ok. Faut trouver un moyen de le faire passer. Avec un seul Romain, c'est génial. Où est-ce qu'il est, le Romain? Oh, il est là. Mais je vous ai rien demandé, vous? Voilà, laisse-moi tranquille. Purée, mais bande de fourbes. Je leur dis rien, je leur dis bonjour, je suis Olivier de chez Carglass, ils viennent pour me déranger là. Oh, il y a l'air d'y avoir un truc intéressant par ici. Ah bah un bouton, forcément. Oh, ouais, c'est pas un bouton. Alors je dirais qu'il faut appuyer sur celui-là. Et celui-là, je suppose, c'est ça? On va voir si ça fonctionne. Ok. Faut peut-être allumer les boutons qui ne sont pas allumés comme ça. Ah ok. Ok. Ah d'accord. Ouais non, c'est pour dire que tout était vert, c'est bon. Si je commence à appuyer sur tous les boutons, ça va pas le faire. Oh oh. Ah oui quand même. Le cadeau pour une énigme aussi facile, il est violent. Je suppose. Merci. Ces animations ne marchent plus. J'ai envie juste de les allumer tous en vert parce que sinon je suis perturbé. Voilà. C'est bon. On va aller voir ce qu'il y a par là. Rien, rien, rien et rien. Ça tombe bien. Bon, on va se mettre ici. Je suppose. C'est pas là. C'est pas ici qu'il faut se mettre ? Ah non, d'accord. Effectivement, je pense qu'il faut se mettre de côté.
Et après, il y a Obélix qui va devoir nous chercher là. C'est par ici qu'il faut se mettre? Oui, c'est bien ce que je me disais. Et là, on va devoir se mettre. Et plot twist, ça s'enlève. Ah non, ça s'enlève pas. Est-ce qu'Astérix va tomber dessus? Ah, mais forcément, il va y avoir des ennemis. C'est... Sinon, c'est pas drôle, voyons. Ah, je peux pas les porter. Comment ça, je peux pas les porter? Mais non, pousse. Ok, mais je vous ai rien demandé. S'il vous plaît, allez-vous-en. Voilà. Poussons le caillou, le magnifique caillou. Par contre, j'aimerais juste voir si ma voix fonctionne toujours. Est-ce qu'elle fonctionne toujours, ma voix? Ouais, elle fonctionne toujours, ma voix. Allez, tu peux y aller maintenant. C'est assez bon. Oula, j'ai failli tomber dans l'eau, ça aurait été magnifique. Je serais mort bêtement. Au lieu de passer par la porte à côté, on passe en dessous par le passage où Obélix ne peut pas passer. Qui a fait ces passages-là? Qui a eu cette idée? Oula, il y a quelqu'un qui dort. Ah ouais, c'est pour ça que qu'on peut... Va savoir pourquoi par contre Astérix est passé par l'eau, je ne sais pas. Ah d'accord, oui c'est lui qui dormait, d'accord. On va mettre ça. Ah, ça a cassé les... ça a coupé les grésillements qu'il y avait. C'est mieux pour moi je suppose. Bon. Les sauvegardes sont très longues, j'ai l'impression. Je crois que je l'avais déjà dit pour la version GameCube, mais pourtant on était sur PC, il me semble. Après, je ne sais plus. Ah, d'accord. Ce n'était que fourberie. Voilà, ça permet... ça permet de rendre mieux les choses, je suppose. Voilà. Ouh, le petit lag. Les jeux n'aiment pas généralement les explosions. Tu es encore entier? Oui. C'est vraiment très impressionnant. Cette grande pièce est une salle d'entraînement au combat. Nous y sommes maintenant enfermés. Je ne pourrai ouvrir les portes que quand tous les Romains auront disparu. Bon courage et bonne chance. Il disparaît sous... Oh, comme il a jeté le truc. C'est bon, je ne suis plus habitué au jeu. Je suppose... Aïe, ouille. Vas-y, envoie. Envoie, je vais essayer de l'attraper. Ah, d'accord, je n'ai pas réussi à l'envoyer. À l'attraper, je suppose. Ah, par contre, s'il est fixe, j'ai l'impression qu'il est quand même plus réactif dans le 2, j'ai l'impression. Je suppose. D'ailleurs, mon deuxième jeu Astérix, je ne sais pas où est-ce qu'il a disparu. Hein. Il a probablement disparu de... Oula. Mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, là. Je vais juste m'occuper des archers. Merci. Merci, à bientôt. Oula. N'arrêtez jamais d'apprendre. Oula, par contre, les archers. C'est l'archer que j'ai en vision, là. Parce que lui, je l'aime pas. Voilà. C'est bon. Oula, oui. Ah oui, vous êtes fourbe, étranger bilule. Hop. Récupérer un petit peu les trucs pour pouvoir avoir un peu plus de casque quand même. Voilà. Voilà. Comme ça, ça sera plus simple. Ah d'accord, mais oui, en même temps, c'est vrai que c'est une salle de combat, donc... forcément, il y a majoritairement de la nourriture pour le soin, forcément. Ce qui est tout à fait normal. Je le conçois. Par contre, j'ai vu un truc coloré là de côté. Qu'est-ce que c'était? Ah d'accord, c'était une vie. Un poisson d'Animal Crossing. On peut aller lui parler, je suppose. Voilà, bonjour. Enfin, rebonjour, pardon. Félicitations. Tu as été extraordinaire. La voie est libre. Sympa pour Obélix, je suppose. Non, parce que j'avoue qu'il parle toujours.
à la deuxième personne, mais jamais à, à la deuxième personne du singulier, non pas du pluriel. Ça doit être perturbant pour l'un, parce que, je sais pas, il parle à l'un, mais pas à l'autre. Par contre, je t'ai rien demandé, toi. Mais... voilà! Laisse-moi tranquille! Purée! Où est-ce qu'ils sont? Je t'attends! Philippe! D'accord, je ne peux pas le taper. Ah, purée! Oui! Ah bah voilà, toi. Tiens, tiens, viens. Ils sont... ils popent là-bas, j'ai l'impression. Ah d'accord, non mais en fait, ils pop toujours derrière nous, finalement. Il y a quoi caché derrière? Oh! Ah bah pour une fois qu'on tombe sur le bon côté. Ah bah voilà, ils nous cherchaient, le petit coquin. Avec un peu de chance. Oui, c'est bon, j'ai réussi à voir le gars. Nico. Bande de faux que j'ai presque plus de vie, laissez-moi tranquille. Où est-ce qu'ils sont? Ah. Les deux derniers, je pense que je pourrais les enchaîner rapidement, je suppose. Étant donné qu'il y a le combo maintenant, et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Par contre, j'adore Astérix, il a commencé à faire l'animation de vol, mais je sais pas, ça a pas marché. Il a fait, tu peux l'annuler ou... comment est-ce que je passe ça? On peut pousser ça. Ça a l'air bizarre. Je vois mal comment je peux passer en fait. D'accord, Phobélix. Comment je fais ça? Alors déjà peut-être prendre le feu, peut-être que ça me dira un peu mieux les choses. Ah d'accord. Peut-être que c'est à moi de pousser le truc. Je suppose. Est-ce qu'il y a des trucs à pousser? Ah d'accord, il y a bien des choses à pousser. C'est bien ce que je me disais. Ah purée, mais je n'avais pas le souvenir de ça. Est-ce qu'on va sauter? Non, on ne va pas sauter. Ah bah non, sinon ça serait pas drôle, de toute façon. Voilà. Oula. Doucement. Oh, bonjour. Par contre, je vous ai rien demandé, s'il vous plaît. Voilà. C'est mieux comme ça. Oula. Par contre, la caméra qui a changé de position, je l'ai pas apprécié du tout. Oh. D'accord. Par contre, il faudra m'expliquer la logique de pourquoi les lions ont des casques. Mais bon. Là, ça va. Oula là. Avouez qu'un peu d'air frais fait du bien. Athènes est une belle ville, même si elle comporte de nombreux dangers. Un aventurier m'a confié que plusieurs Gauloises seraient enfermées dans une cellule, gardées par une terrible machine de guerre. Extrêmement puissante, à ce qu'on dit. Malheureusement, il n'a pas pu me dire où se trouvait ce cachot.
contre, il faudra m'expliquer la logique de pourquoi les lions ont des casques. Mais bon. Là, ça va. Ouh là là. Ici, je vais pas m'attarder d'attaquer les ennemis. Ça serait du suicide, limite, je suppose. Voyons voir. Alors, à mon avis, il va y avoir une grosse arène à cet endroit-là, étant donné le chemin. Ah! Bah, c'était pas une grosse arène, mais c'était un endroit assez grand. Bon, bah, en tout cas, c'est sur ce coin, c'est ça. Alors, moi, je vous dis, bye tout le monde, et portez-vous bien, petit.